Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bon courage. Merci. Alors, il est 23h, on est samedi soir, c'est la dernière ligne droite du marathon, et on se rapproche à grands pas de $1 million récoltés, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà sabré le champagne. Mais ça serait une grosse erreur puisque nous allons voir un speedrun d'Half-Life Alyx, un jeu qui en réalité virtuelle, donc la caméra est susceptible d'aller dans tous les sens. Ce sera pas aussi drôle que le florilège de réactions contrariées et d'émojis vomis que nous avions pu voir la dernière fois que Descente 2 avait fait partie d'un marathon JDQ. Mais bon, si vous êtes susceptible au mal des transports, au mal de mer ou toute autre forme de cinétose, attention à vous. Half-Life Alyx est un jeu sorti le 23 mars 2020, au tout début du premier confinement contre la Covid-19, et c'est le premier jeu de la série Half-Life depuis épisode 2, puisqu'il sort plus de 13 ans après ce dernier. Ça en fait un bail, hein. Alors, parlons très vite d'un concept de base. En réalité virtuelle, c'est pas comme le monde réel, faut forcément avoir des compromis, et donc il y a trois modes de mouvement parmi lesquels on peut choisir. Il y a un mode joystick qui fonctionne un peu comme dans un mode normal, un jeu normal, pardon, et c'est réservé à ceux qui ont l'estomac solide, hein, évidemment. C'est un peu le mode expert. Ensuite, il y a une téléportation dite blink, le clin d'œil en français. Le jeu fond au noir pendant le déplacement, donc c'est comme si on clignait nos yeux pendant. Et ensuite, il y a le mode de téléportation dit shift. Au lieu d'un fondu au noir, le déplacement est animé du point A au point B. Ça ressemble un peu à un dash visuellement. Et c'est ce mode qui va être principalement utilisé par Buffett Time, notre runner, puisque en faisant une sorte de mashing, ça permet d'aller très très vite. Cependant, plus tard, il va utiliser également le mode joystick parce que ça permettra d'avoir une plus grande précision lors de certaines phases. Bon, on va avoir pas mal de cinématiques, tout ça, comme celle-ci, passage narratif durant lesquels il va y avoir qui se passait, donc je vais faire un petit résumé de l'histoire pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu-là. Half-Life Alyx se déroule 5 ans, à peu près, avant l'histoire de Half-Life 2. La Terre a été envahie et conquise en 7 heures chrono, bravo, par le Cartel, ou Combine en VO, une force extraterrestre toute puissante qui colonise les mondes afin d'acquérir des ressources pour leur empire. La catastrophe de Black Mesa durant Half-Life 1, qui a ouvert une brèche interdimensionnelle entre la Terre et un monde parallèle, Xen, avait attiré leur attention. Donc ils sont venus pointer le bout de leur nez, et après leur blitzkrieg retentissante, ils ont mis en place un état policier brutal, une dystopie totale, un peu à la 1984. Et le jeu se déroule donc à Cité 17, quelque part en Europe de l'Est, où se trouve Alyx, la jeune femme éponyme de 19 ans que nous allons incarner, et son père, le docteur Eli Vance, qui était chef de projet au centre de recherche de Black Mesa. Ils font partie d'un mouvement de résistance qui fait du sabotage, qui vole les ressources du cartel. Voilà. Et donc le reste, nous allons voir au fur et à mesure, puisque nous sommes au début de l'histoire, et que, comme vous avez pu le voir, Alyx s'est faite interpeller. Contrôle de police, vos papiers s'il vous plaît, merci. Et elle allait être embarquée vers le commissariat le plus proche. Mais un autre membre de la résistance, Russell, est venu un peu pirater le camion. Et voilà, pouf, explosion. Patati patata. Which makes it go by much faster actually, because it's not rendering anything. Now we're going to come into here and... Donc comme vous pouvez le voir avec Half-Life Alyx, la réalité virtuelle, c'est quelque chose de très immersif, très intuitif. Mais toutes ces qualités, on va pas vraiment, malheureusement, on va pas les voir dans ce speedrun, puisque le jeu va être torché en 40-45 minutes au lieu d'une quinzaine d'heures. C'est un jeu qui normalement prend beaucoup de temps, qui est lent, contemplatif, car on explore, on fout des lieux de fond en comble au fur et à mesure du parcours scénarisé, on s'accroupit pour aller chercher des munitions dans des tiroirs, on se met sur la pointe des pieds pour arriver à attraper des bouts de résine en haut d'une armoire. Et c'est vraiment un jeu très immersif qui propose le meilleur de la réalité virtuelle, et qui malheureusement a le potentiel de gâcher rétroactivement l'immense majorité des autres jeux en réalité virtuelle. D'ailleurs, la résine dont je parlais à l'instant, elle permet d'améliorer ses armes, en ajoutant par exemple un pointeur laser, une lunette de visée, un chargeur extra large, plein de choses ultra utiles, vu qu'on vise comme on viserait avec une vraie arme. On met sa main devant soi et voilà. Et surtout, hein, ouais, faut pas paniquer quand on est accroupi derrière une caisse, qu'on essaie de sortir son dernier chargeur de son sac à dos, et qu'on le laisse tomber sans faire exprès. Bref,
Nous sommes encore aux cinématiques. Voilà, ça prend du temps, c'est comme tous les jeux Half-Life. Enfin, on appelle ça des cinématiques, mais ce ne sont pas des cinématiques pour en parler. Et puis en fait, on a encore le contrôle. C'est vraiment le truc que Half-Life a inventé, que beaucoup d'autres ont fini par incorporer dans beaucoup d'autres jeux. Et donc, le monsieur devant nous, c'est Russell. Il nous explique le plan de ce qui va se passer durant le reste du scénario. Parce que malheureusement, Alix a été interpellé, mais son père également. Et il est actuellement à bord d'un train. Et donc le train, eh ben, on va aller le détourner. Et comme vous voulez voir, oui, là, on peut interagir avec tous les objets. Je veux dire, c'est quelque chose de très intuitif. Russell nous a donné les Gravity Gloves, une sorte de version prototype et miniaturisée du canon anti-gravité de Half-Life 2. Avec un simple geste du poignet, on attire les objets vers nous. C'est quelque chose de vraiment très intuitif et très naturel. Vraiment très, très bien conçu. Donc là, on attend que Russell nous balance notre pistolet et nos chargeurs. Et voilà, on tire sur le cadenas. Et on s'en va. Fin du premier chapitre du jeu. Donc, premier bug que nous commençons à voir ici, c'est que donc on est vraiment dans la catégorie inbounds, ce qui fait que contrairement à la dernière fois que nous avons eu Alix au SGDQ en août 2020, eh ben nous n'avons pas le droit de sortir du niveau. Mais sinon, le reste des bugs est globalement autorisé. Et dans Alix, vu qu'on doit recharger son arme soi-même, quand on veut recharger, on fait un geste, on attrape vers notre sac à dos virtuel et ça sort les munitions qui correspondent à l'arme que nous avons actuellement équipée dans notre main. Et c'est également là qu'on stocke les munitions. Mais si on sort des munitions et qu'on les remet dans le sac en même temps qu'on les fait changer de main, avec un timing assez précis, ça permet en gros de les dupliquer. Donc, pour ce qui est de l'exploration, d'essayer d'aller chercher des munitions dans des tiroirs, dans les moindres recoins, on ne va pas trop s'en soucier. Ensuite, même si le speedrun est entièrement inbounds, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains bugs qui ne sont pas autorisés. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un bug. Enfin, on peut quand même passer à travers ce qu'on considérait comme de la géométrie 3D solide. Puisque quand on veut se déplacer, on fait un jump, un saut en anglais, moi je dis déplacement, d'un point A à un point B, avec ce mode de déplacement shift. Cependant, si on commence un shift, un déplacement en shift, qu'on met immédiatement le jeu en pause, que pendant cette pause, on se déplace, et qu'ensuite, on enlève la pause, le décalage que nous avons fait pendant la pause, de manière physique, dans notre espace réel, va être ajouté au shift. Ce qui fait qu'à la fin du shift, là où on aurait été devant une porte, eh ben on va se retrouver derrière. Enfin, derrière une porte, derrière un grillage, derrière n'importe quoi d'autre. Tant que ce déplacement a pour résultat de nous laisser à l'intérieur du niveau, c'est complètement autorisé. C'est-à-dire que nous avons le droit d'être out of bounds, à l'extérieur du niveau, durant ces déplacements, très très brièvement, pendant cette fraction de seconde, mais tant que le résultat final est inbounds, à l'intérieur du niveau, c'est autorisé dans cette catégorie. Nous allons, voilà, nous revoyons le bug en action, voilà, ici même. Et encore une fois, pouf, on évite ainsi plusieurs zombies. On enlève les planches. Il y a tellement d'interactivité dans le jeu et on envoie le dixième, c'est triste. Mais bon, je pense que mon discours élogieux plutôt a résumé la situation, c'est-à-dire que je pense que vous devriez y jouer vous-même si vous pouvez. Avec un peu de chance, peut-être qu'il sera disponible sur PS5 avec le casque PSVR 2. On ne peut qu'espérer. Encore une fois, voilà, on n'arrête pas de voir cette méthode pour pouvoir traverser les murs. Hein. Pourquoi s'embêter à tourner une roue quand on peut faire ça? Et là encore, on n'arrête pas de passer énormément de choses. Voilà, bon, là, c'est
un niveau où je suis resté coincé 30 minutes à chercher ce que je devais faire parce que je devais décrypter des éléments visuels et puis bon bah non, on ne s'en soucie même pas. Le Buffett Time n'a même pas regardé vers cet élément. On s'en fiche. Et encore un passage narratif où nous rencontrons un Vortigaunt, un alien. Très sympathique, mais sur lequel il y a eu des expériences un peu pas très agréables qui ont été faites sur lui, si vous regardez sa tête. Et donc il est coupé du reste de la Vortessence, une sorte de conscience partagée entre tous les membres de son espèce. So this is just another cut to me at the way through. You can extend a jump through there, but it's out of bounds until this cutscene is over. So if we can get one more quick donation in. Sure. From Knight, they donate $25. Avec un speedrun en réalité virtuelle, c'est quelque chose d'assez particulier puisque bon bah c'est aussi particulier que les jeux en réalité virtuelle même puisque c'est une modélisation toute différente des mécaniques de jeu qui s'impose aux développeurs. Parce que dans un jeu traditionnel, c'est facile de dire voilà. Ça, c'est votre position. Très simple. Mais en réalité virtuelle, il y a la position de votre tête, il y a la position de vos mains, il y a la position du centre de votre espace de jeu qui rentre souvent en compte. Et contrairement à un jeu traditionnel, il n'est pas possible de forcer la position du joueur. Si vous jouez à un jeu de tir en la première personne traditionnelle sur écran plat, et que vous appuyez sur Z jusqu'à ce que vous rencontriez un obstacle ou un mur, ça va vous arrêter naturellement, mais en réalité virtuelle, il n'y a qu'une seule chose qui vous arrête. C'est vos vrais murs de votre vraie pièce. Donc quelque chose qu'on ne va pas énormément voir, puisque c'est la catégorie inbound, c'est que ce qui est mis en place pour éviter ce genre de désagrément, c'est qu'il y a, une sphère orange qui se met à obscurcir votre vision dès lors que vous commencez à mettre votre tête là où il y a un objet considéré comme étant solide par le jeu. Voilà. On récupère la lampe torche, mais bon, un passage qui est très tendu et qui fait quand même assez peur quand vous avez votre casque sur votre tête. Et au revoir en 5 secondes. Hein. Moi, j'ai mis une demi-heure à en sortir. So we're going to do the same thing here. Teleporting when you're near barnacles is quite dangerous because it's very. Donc vous avez sûrement vu là ce qui s'appelle les barnacles, l'espèce de langue qui pend du plafond. Et c'est là que le mode joystick de déplacement est utilisé par Buffett Time, puisque si on fait une téléportation, c'est un déplacement linéaire d'un point A à un point B en ligne droite. Avec le joystick, il peut zigzaguer de manière beaucoup plus. Bah, vraiment, c'est un mode de mouvement qui est direct. Donc ça lui permet d'éviter les langues avec brio et de ne pas se faire engluer. Et quand vous voyez, quand il se déplace très très vite, oui, c'est donc l'espèce de mashing, des téléportations, des déplacements demandés en succession rapide et répétée en mode shift. Et la manière dont c'est effectué, parce que normalement, ça fait un petit bout de temps que j'ai joué à Alix, donc je vais peut-être dire une bêtise, il me semble que c'est normalement assigné à une poussée avant sur le joystick gauche. Mais la manière dont il peut mâcher plus facilement, c'est en réassignant ça sur le trackpad droit de la manette du Valve Index. Donc là, vous voyez ce que nous avions devant nous, une espèce de grosse machine avec, dans la salle où il faisait un peu avec la lumière rouge. Oui, donc c'est l'imprimante 3D dans laquelle vous mettez votre arme et que vous mettez aussi vos packs de résine pour pouvoir les améliorer. Mais bon, on s'en fiche complètement. C'est vrai que la VR peut faire un peu suer, mais pas autant. Enfin, je veux dire, ça, c'est une catégorie où encore ça reste
ça reste soft, puisque dans la catégorie où le out of bounds est autorisé, il y avait le runner qui faisait le dauphin sur, au sol pour pouvoir passer l'énorme porte durant la zone de quarantine. J'ai envie de dire, demain, vous irez regarder la run de Alix du SGDQ en 2020, parce que c'est un passage absolument magique. Eh oui, votre corps et la manette de jeu, bon, dans une certaine mesure, bien sûr. On continue de voir vraiment surtout le bug principal, oui, c'est les extended jumps, les déplacements à rallonge. Et donc je répète pour ceux qui auraient manqué cette explication, c'est-à-dire que quand on commence un déplacement en mode shift, ce déplacement linéaire qui se fait en une fraction de seconde, d'un point A à un point B qui est animé, qu'on met immédiatement le jeu en pause et qu'ensuite on se déplace pendant la pause dans le monde réel et qu'ensuite on enlève la pause, ça rajoute ce décalage au déplacement qui est en train d'être effectué. Et ça nous permet donc de passer à travers les murs très facilement. Et voilà, donc le train a été déraillé. Bon, malheureusement, le papa d'Alix, Eli Vance, se trouve dans une position un peu précaire. Papa, prends ma main. Non. Heureusement, notre ami est venu à sa rescousse. Unfortunately, yet another cutscene, but we're going to be done with them soon, so let's get some donations in. Certainly. From Savrals, we have a $15 donation. And they say, I had to do another donation. Pendant sa détention, Eli a appris que le cartel stocke une sorte de super arme dans un énorme coffre-fort de la taille d'un building qui plane au-dessus de la zone de quarantaine. Bon, le runner ne lève pas souvent la tête, mais peut-être que vous l'aurez aperçu. Cette sorte de structure un peu alien, extraterrestre, en métal gris foncé, qui a l'air de léviter au-dessus du paysage urbain. Et donc, Eli demande à Alix de trouver un point d'entrée dans cette espèce de coffre-fort et de dérober son contenu. So let's see. We got. I didn't get too many of those duplications correctly, but so here we just have to wait for an audio cue. Donc vous remarquerez que le runner a maintenant 150 balles de pistolet disponibles dans son sac à dos. Il a eu le temps de faire pas mal de duplications de munitions. Et pour ceux qui auraient loupé l'explication avant, en gros, quand on essaie de sortir un chargeur de son sac à dos virtuel derrière son dos, qu'on fait le geste, on change le chargeur de main immédiatement tout en essayant de le remettre dans le sac à dos. Donc, en fait, on range le chargeur tout en essayant de le changer de main et ça le duplique. Grosso modo. But if you just extended jump, or there's actually quite a number of methods to get through, you can just go and get it, go instantly. So we're... Désormais au sein de l'hôtel, je crois, Northern Star, l'étoile du Nord. Parce que notre ami le Vortigant, l'alien que nous avions vu plus tôt, nous disait « Regardez vers l'étoile du Nord ». Ben le voilà, l'hôtel, l'étoile du Nord, qui est vraiment infesté par la faune et la flore qui vient de Xen, le monde parallèle très étrange. Qui s'est manifesté à travers les diverses brèches interdimensionnelles qui ont eu lieu avant et durant et après la guerre de 7 heures, durant laquelle le cartel a envahi la Terre. Ça a vraiment déstabilisé la civilisation humaine. Parce que vous imaginez, d'un coup, la moitié de votre maison se retrouve remplacée par un bout d'un univers parallèle qui est...
l'équivalent du Sahara extraterrestre. Voilà. En utilisant un saut, enfin en utilisant un tonneau, voilà, hop, on fait un platforming. Et ce niveau requiert vraiment beaucoup de précision puisque il faut vraiment aller chercher les déplacements d'une manière extrêmement précise puisqu'il y a beaucoup de plans cachés où si on les traverse, pouf, ça vous tue instantanément puisque en fait, ce serait considéré comme une chute létale au personnage. Ah, malheureusement, il doit recharger une sauvegarde, parce qu'il y a un problème. Mais heureusement, il a une backup save. Et voilà, de l'escalade qui n'est absolument pas cautionnée par la conception des niveaux du jeu. Nous ne sommes absolument pas censés nous trouver ici. On saute d'espace de millimètre en millimètre pour essayer de se faufiler sur un chemin alternatif. Et voilà, nous revenons au sein du niveau normal. Alors, ce n'est pas considéré comme un out of bounds. En fait, un out of bounds, c'est vraiment être dans le néant en dehors du niveau, qui n'a pas les mêmes propriétés que les précédents Half-Life, puisque c'est un moteur bien différent, et que c'est un jeu en réalité virtuelle, que le joueur ne peut pas vraiment être simulé par une physique traditionnelle, vu que, bon, voilà. Dès lors que le déplacement est valide et à l'intérieur du niveau, non, nous ne sommes pas out of bounds. Nous restons à l'intérieur du niveau. Ah, vous avez vu, hein, c'est la réalité virtuelle. Hein. Les grenades, on les lance soi-même. Les portes, on les ouvre soi-même. Les armes, on les recharge soi-même. Et franchement, c'est super. Et encore un clic pour passer à travers du mur. Zero zipping is pretty much where if you teleport fast enough, so like if you're in. Nous allons parler de zéro zipping. Un bug un peu étrange. The movement stick enough, if you teleport too many times, the game will start moving you to zero zero. Aïe aïe aïe, il l'a mal fait. Voilà. Donc en gros, si on fait des demandes de déplacement un peu particulières. Avec une rapidité certaine, tout en faisant d'autres demandes de déplacement, en fait, le jeu va commencer à nous déplacer non pas vers là où on a demandé d'être déplacé, mais vers le point d'origine de la carte, 0, 0, 0, dans son espèce de coordonnées. C'est quelque chose qui peut être très pratique, mais là, malheureusement, il en est mort. That's really funny. But yeah, so usually the zip is supposed to happen where it takes you to 000 XYZ in the map because of reasons. But usually that's supposed to happen like at a consistent rate where it just brings you through all props. So I'm going to save right here. Il va retenter sauvegarde pour être sûr que voilà, bon, pour revenir ici plus rapidement. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? C'est censé se passer comme ça et pas juste. Et encore une fois, on est resté complètement inbounds à l'intérieur du niveau, donc c'est légal de faire ça dans cette catégorie. Donc là, nous allons voir une
pas vraiment un bug, mais plus une manière d'exploiter les... les commandes d'accessibilité qui sont faites pour les personnes à mobilité réduite. En gros, vous pouvez assigner une commande pour vous accroupir et vous relever sur votre manette de réalité virtuelle. Mais évidemment, si vous pouvez quand même vous accroupir pour de vrai et vous relever pour de vrai, eh ben, ça vous permet donc de dédoubler ce décalage de position. D'une certaine manière, donc ça permet donc ça permet au runner de faire des mouvements verticaux qui vont être beaucoup plus amples. Et là, ça lui a permis donc de revenir dans le niveau depuis cette route alternative beaucoup plus facilement. Trigger and safely get down on the ground. Yeah, that trick is really finicky and I have died many times from it. Ooh, did we get that? No, okay. This is a really difficult extended jump because you can... Et là, on va repasser sur une variante de... Bah, pas une variante, mais... Ouais, le clip à travers le mur. Mais celui-là est très très délicat puisque s'il est fait, enfin il doit être très précis, autrement c'est la mort assurée. Parce qu'on tombe sur le plan invisible qui, selon les concepteurs du niveau, voilà, ici c'est une chute, vous chutez, vous mourrez, point barre. Hein. Et là, normalement, oui, il y avait une phase de combat avec plusieurs vagues, plusieurs soldats du cartel qui viennent vous appréhender. Un des passages de combat qui est peut-être les plus intenses, mais malheureusement, oui, on n'en voit pas un seul bout. Maintenant, nous sommes dans peut-être le niveau le plus, comment dire, pas infâme, mais enfin... le plus unique du jeu, puisque en fait, nous sommes au sein d'une distillerie dans laquelle se trouve un zombie particulier et invincible qui s'appelle Jeff. Jeff vous tue en un seul coup. C'est un prédateur redoutable. Mais heureusement pour vous, il est aveugle. Et donc, il ne faut pas faire de bruit. Et c'est une mécanique de jeu qui est vraiment... enfin, qui... yes. Ils arrivent à lier des mécaniques de jeu bien trouvées, bien inspirées, puisque c'est une distillerie, donc il y a des bouteilles un peu partout. Vous avez intérêt à ne pas trébucher sur une bouteille, à en faire tomber une par terre, puisque ça va faire du bruit et ça va faire venir Jeff. Parfois même, il faut mettre sa main devant son visage, puisqu'il y a des nuages de spores qui vont faire éternuer Alix, enfin éternuer, qui la font tousser. Et voilà, on a vu Jeff là un peu en bas à droite. Et oui, la bouteille, il va lancer la bouteille pour pouvoir attirer Jeff dans cette chambre froide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Ah non, je suis bête. C'est le support de la roue. Oh là là. Voilà, au revoir Jeff. On va le mettre... ah oui, refermer la porte, hein. And so here we're trapping Jeff in here, and now we need to go trigger this elevator. And so... ça, bon, je spoil un peu le jeu, mais c'est c'est un passage carrément génial, puisque maintenant Jeff est coincé dans la chambre froide, tout va aller bien. Hop, bon, j'appelle l'ascenseur jusqu'au prochain niveau. Malheureusement, dommage, il y a une coupure de courant. Et où se trouve le panneau électrique? Dans la chambre froide. Et on a cette lente réalisation en tant que joueur. Non, on va devoir libérer Jeff. Et c'est un moment fantastique. Voilà, coucou Jeff, on le libère. Ah, donc je précise, excusez-moi, j'aurais peut-être dû le préciser plus tôt, mais voilà, les lignes que vous voyez dans les murs, en fait, oui, c'est une sorte de
de mini-jeu, enfin, la version du mini-jeu de hacking de Alix. En fait, vous devez sonder les murs à la recherche de fils électriques. Et il y a des bifurcations que vous pouvez faire tourner pour faire changer le courant de chemin. Pour ceux qui se demandaient ce que c'était, ce qu'on n'arrêtait pas de voir. Ah donc, on appelle l'ascenseur. I forgot to do a step. Also, let's get another donation in. But yeah, that was me just being dumb. No worries. He who am R is myself donates $100. Thank you. They say I've watched it back and donation readers are 4 out of 5 for getting my name right. Voilà, il va faire un shift très rapidement. Hop là, et on sort. Parce qu'en fait, il me semble que l'ascenseur ne monte pas. il se téléporte d'un étage à l'autre pendant que la lumière clignote. Ce qui est très ingénieux de la part des concepteurs du niveau. Donc là, magnifique coucher de soleil sur ce mur complètement éclaté de la distillerie. Et nous allons chercher donc à nous échapper. Nous sommes presque en fait de l'autre côté. Et malheureusement, la sortie nécessite 3 sources d'électricité, de power bank, si vous voulez. Voilà, on les attrape hein, sans vergogne à travers le grillage. The stations that we saw right when before I got into here. So we're going to clip back out because we need to re-enable Jeff's ability to move because otherwise we're going to get a soft lock. So let's come back. Oui, je pense que c'est Half-Life Alyx, il y a un peu cette obsession avec le killer app en réalité virtuelle. Le jeu qui vaut le coup, vraiment. Oui, Alyx est le jeu qui mérite à lui seul un casque, enfin l'achat d'un casque de réalité virtuelle, à mon humble avis. Alors, malheureusement, Jeff va vraiment nous entendre à cause du bruit retentissant que fait la sortie en s'ouvrant. Mais heureusement, alors, est-ce qu'ils vont se débarrasser de Jeff ou pas? Parce que voilà, Jeff, il va vers le palais de contrôle, il n'est pas content, il tape dessus. Ah oui, ils vont donc voilà. Ils vont l'attirer vers ce compacteur à ordures. c'est pas génial quand même de pouvoir faire cette gestuelle dans le monde virtuel. De pouvoir faire des mimiques comme ça, bien, ça ajoute un côté humoristique au gameplay tel que nous le voyons, qui est quand même fantastique. My previous run back in SGDQ 2020, you never saw this because we skipped the trigger for it to render. But now you can actually see it. Pretty. And so now we're going to go through. Et voilà, nous allons donc dans le tunnel. Faire très attention en descendant puisque c'est très facile de déclencher une mort par chute hein, avec les plans, les death triggers comme on dit. From Hornswoggle 12 with no comment. Thank you so much. I think that's like the most baller thing you can do. Drop a huge donation and just leave no comment whatsoever. But thanks for that. Sure. So here, same thing. This is actually where we so that door. Nous sommes je ne sais plus si c'est l'avant-dernier chapitre du jeu ou l'avant-avant-dernier chapitre. One we were showing earlier where you can just like walk through them. Et nous sommes en train de traverser un ancien zoo où la nature a repris ses droits, ainsi que celle de Zen d'ailleurs. Ah, et on passe tous ces magnifiques environnements en une poignée de secondes, là où, comme je l'ai dit plus tôt, oui, Half-Life Alyx est un jeu qui est normalement très très lent, parce qu'on... C'est super d'aller fouiller chaque recoin.
The second you actually do damage to that antlion, that's when you're able to teleport into that area. So if you can do that quicker, you save a little bit of time. And... Il me semble qu'ils ont également passé... cassé le... pardon, ils ont passé outre une séquence avec 3 ou 4 soldats, je crois. Si ma mémoire est bonne. I think it happens mostly when you're doing a lot of fast teleports while also. Et oui, pour. Enfin, je ne sais pas s'il joue sur le Valve Index. Enfin, il me semble qu'il a dit qu'il jouait sur le Valve Index comme casque, mais. Il est possible de jouer avec les manettes index sans forcément utiliser le casque index. Il me semble qu'il est possible d'utiliser, par exemple, un HTC Vive avec deux manettes index. Un énième saut. Et là, juste après le saut, oui, il y a un ennemi qui est tout simplement supprimé du jeu. Ce que ça permet de... Enfin, voilà, le jeu prend l'entité, lui dit, toi, tu te barres. Ça permet... de faire tourner le jeu plus vite, puisque Dieu sait que la réalité virtuelle est quand même quelque chose d'assez intensif pour tout ce qui est PC gaming. And now we're going to try and trigger this. It is faster if you can store a grenade, but it tends to be not much faster unless you get a good area where a grenade is, and so it's not really worth it too much. Now here we're going to try and not get hit by the barnacle. Hop, voilà. And then petit passage joystick pour esquiver la langue du barnacle. Et voilà, boum, Sonic. Avec les dash shift à répétition. J'ai mis 20 minutes à traverser tout ça avec les trains et voilà, il fait ça en 3 secondes. Aïe. So as you saw there, that is the longest extended jump in. Là, on avait une sorte de, enfin, le déplacement à rallonge, le extended jump, le plus long. D'ailleurs, je crois qu'en fait, c'est une sorte de. On avait un peu l'air qu'il en combinait deux, mais je ne crois pas que c'était le cas. Mais oui, c'était vraiment le extended jump le plus long du run. Basilbub Bulbasaur, $500, and they say no comment whatsoever. So right here, I'm going to stay crouched, and we're just going to ignore all these enemies. And they're going to... This saves quite a bit of time, but it also does introduce a bit of complexity that we'll see in a second. So I'm just going to be running through here real quickly. Là, il va grimper la tour pour aller chercher. Scale this. We're going to ignore these man hacks that are coming to kill us. Le reste du parcours. So going through here. Yep, this happens sometimes, not all the times. I don't know the exact reason. But sometimes that NPC just gets stuck standing still. Ouais, donc le bug, il y a un bug qui peut se passer quand il suit cette séquence d'action, c'est que oui, il y a ce soldat qui peut se retrouver gelé. Donc il ne veut pas dash à travers, malheureusement. Donc ça le ralentit un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc voilà, nous sommes devant le coffre-fort. Voilà, vous le voyez au haut de l'écran, là. Le fameux coffre-fort. Et bon, bah, il est en lévitation, à 1 km au-dessus du sol. Comment est-ce qu'on va le refaire descendre? Voilà. Bon, là, il y a un temps mort. Donc vous l'avez vu, il faisait des duplications de munitions à répétition. Bon, et voilà. On fait descendre le coffre-fort. Bon, il y a plein de manettes. On va toutes les activer. Ça va bien faire quelque chose. Absolutely. N'est-ce pas? And then, from French Toast, we have a $50 donation. They say, let's get a link to the past incentive met so the marathon trans rights. And then, from The Heretic, donating for my favorite VR game. Pas que ce soit censé arriver. Trans rights or human rights? Et boum! Can I keep going? Yep, keep going.
Bon, le coffre-fort est descendu. Peut-être pas très proprement, mais il est descendu. They say I can barely keep my bearings in VR, let alone at this pace. Here's to an amazing run, to another fantastic GDQ, and to meeting that link. Donc à ce stade de l'histoire, Alix suppose que c'est Gordon Freeman, le héros des autres jeux Half-Life, qui est coincé, qui est retenu prisonnier à l'intérieur de ce coffre-fort. Puisqu'évidemment, oui, tous ceux qui étaient présents durant la catastrophe de Black Mesa, on parlait de Gordon, il a un statut presque légendaire, qui a permis à beaucoup de ses collègues scientifiques de s'échapper. C'est bien, oui, personne ne l'a revu, aucune trace de lui après les événements de Black Mesa, donc peut-être que c'est le cartel qui le retient prisonnier. What the real thing is about the end of this game. So we're just gonna press this button. And there's a strider. Et la raison pour laquelle il pense ça, c'est puisque il trouve quelque chose, un fichier quelconque, je crois, ou un journal, des données qui les laissent penser que oui, ce qui est à l'intérieur du coffre-fort, c'est quelque chose qui va les aider à combattre le cartel. C'est leur point faible, leur talon d'Achille. One bar of health. And we're gonna go up this elevator. And this is the last. Là, donc nous sommes un peu face au. Enfin, une sorte de boss final du jeu, c'est le Strider. L'alien synthétique tripode créé par le cartel. Très imposant et très létal, évidemment. Il faut se faufiler un chemin à travers les décombres tout en évitant de se faire déchiqueter par ces tirs. Et oui, encore, dites-vous que là, oui, vous regardez un jeu VR, mais vous regardez en 2D. Vous regardez une vidéo en 2D. Rappelez-vous que la réalité virtuelle, évidemment, confère une perspective et une grandeur à tout ce que vous voyez, de par sa stéréoscopie. Et oui, donc tous les ennemis un peu larges, que ce soit Jeff, le zombie invincible, ou donc ce Strider, oui, c'est effrayant quand vous voyez ça devant vous en réalité virtuelle. Mais heureusement, on trouve un gros flingue. I've gone it down pretty well over the years, but it is still something that when you get it perfectly, you can save quite a bit. Et avec le gros flingue, on lui envoie des gros missiles dans la tronche. There he goes. And so here, this is. Au revoir, Monsieur Strider. I know it may not look like it. Et maintenant. There we go. Couple quick. Juste au-dessus de nous, il y a le coffre-fort. Vous voyez cette espèce de rayon de lumière où il y a des objets qui l'évitent. Tout. Ah, dommage. Il a touché un Death Trigger. Le plan invisible. Au-delà duquel, oui, c'est considéré. Oui, vous êtes allé chuter dans un endroit de trop haut. Dommage. Mais oui, donc juste au-dessus de nous, il y a le coffre-fort, il y a l'espèce de rayon vert de lumière qui va. Vous voyez les objets qui lévitent vers le haut. Une série de déplacements très précis. Et voilà, nous envolons vers le coffre-fort et il ne peut pas bouger durant cette pseudo-cinématique. But I think there were some death triggers that are put up here, most likely just sort of because, and I think they would get removed at a certain point, but because of the way that we just finished this, if I move, there's a chance that I hit a death trigger right at the end of that cycle, and that would lose like 20 seconds. Et oui, donc comme il l'expliquait, oui, il ne peut pas bouger durant cette cinématique puisque il y a donc des plans invisibles, des death triggers qui sont susceptibles d'être présents juste au-dessus. Et ouais, ça ne serait pas, sympa vu que c'est une animation qui dure 20 secondes et bon, voilà, si vous mourrez à la fin des 20 secondes, bah, c'est 20 secondes de gaspillé.
Mais voilà, nous sommes au sein du coffre-fort, où il y a des bouts des immeubles environnants qui ont été aussi pris à l'intérieur de ce coffre-fort. Et on voit cette espèce de... c'est quoi, c'est un dodécaédron au centre? Enfin, je sais pas combien de côté ça, mais voilà. Cet isoédre, bon, je me souviens plus du mot, hein, mais... ce qui ressemble fortement là où on doit aller. On va se faufiler un chemin vers tout ça, alors que la réalité commence à un peu se... les lois de la réalité commencent à devenir un peu bizarres tout autour de nous, comme vous voyez, là, on est... On n'est pas vraiment à l'endroit. Hein. Il y a des choses qui flottent dans tous les sens. Maintenant, il peut passer à travers le sol. But there's a lot of weird things happening. We're seeing those ghosts. Ooh, and we're seeing. Donc voilà. This is la réalité qui se fragmente. Hein. Il y a vraiment une influence étrange, presque surnaturelle, qui est en train d'être exercée par cette espèce de réacteur au centre du coffre-fort. Vous voyez, la pièce dans laquelle on se situe, vraiment, voilà, il y a une copie miroir qui se situe juste au-dessus de nos têtes. Il va y avoir un temps mort. On va attendre que la porte là-bas, au fond de l'appartement, s'ouvre. From Kat, we have a $100 donation who says, I never beat A Link to the Past as a kid because I couldn't get through the Ice Palace. So I'd love to see this game get destroyed. We can do it, cute chat. Yeah, got any smilers in the chat? We have $194,000 remaining for the game after this to be added to the schedule. Sorry, not the game after this. The game after Dark Souls 2, after this one. I'm confused. From Ebert, we have $125. They say, let's get A Link to the Past chat. La porte d'en haut s'est ouverte, mais on attend encore celle du bas. Hein, oui, tous les objets de l'appartement qui se... qui volent à travers la porte. Hein. Voilà, c'est que des fois, quand on fait un moteur physique bien avancé, qui est capable de prouesses du genre sans broncher, pourquoi s'en priver? Voilà. Maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite du jeu. Et normalement, on doit... Enfin, un peu dans la tradition de Half-Life 2, où notre canon anti-gravité se transformait en rayon de la mort, hein, dans le dernier chapitre du jeu. Notre gant anti-gravité, en fait, nous confère un peu les mêmes pouvoirs que les Vortigaunts. On commence à pouvoir tirer des sortes de rayons électriques. Et c'est très sympa, mais encore une fois, on n'en voit pas un seul bout. Pourquoi se fatiguer quand on peut passer à travers tout? Aussi vite que ça. Donating for Link to the Past. We're watching GDQ with our two-week-old daughter. And AGDQ has been a lifesaver in these sleepless first few days of her life. Link to the Past is one of my favorite. Et voilà, nous sommes devant le réacteur, le centre du coffre-fort, et nous allons ouvrir la prison. Et on va retrouver Gordon Freeman. Mais attendez, mais c'est pas Gordon Freeman? Oh! Quel twist! Quel retournement de situation! Ouh là là! Et donc là, il a fait un no-clip pour aller vous montrer que oui, il y a un bout de la fin de Half-Life 2, épisode 2, qui fait partie de cette carte. Puisqu'en fait, il y a un bout de la cinématique de fin qui prend place là. Et il voulait montrer ça sous un autre angle. Et donc voilà, donc c'est le G-Man, personnage très mystérieux que nous avons libéré, et pas Gordon Freeman. Donc vous avez vu beaucoup de Half-Life Alyx, mais franchement, oui, je me répète, mais je pense que c'est un jeu qui mérite d'être fait, parce que vous allez passer une quinzaine d'heures dessus à chercher tout, dans tous ces recoins, à fouiller partout. Et il y a franchement pas mal de passages du jeu qui ont été complètement ignorés.
complètement skip par le runner. Et donc en fait, vous n'êtes pas, enfin à part la fin, vous n'êtes pas tellement si spoil que ça.